Roiseau, c'est un spectacle de théâtre musical qui est inspiré par la Conférence des oiseaux, un poème persan, un poème soufi du XIIe siècle, écrit par le poète Farid al-Din al-Attar, et qui est un des éléments majeurs de la littérature persane. Nous, on est parti sur ce spectacle en découvrant l'album de Peter Sis, qui est un illustrateur américain, et qui a réussi à traduire en quelques mots et en quelques images la complexité et toute la poésie du poème originel. On a eu l'envie de faire la même démarche que lui, et de proposer un spectacle de théâtre musical pour les enfants qui raconte cette histoire. Il est bien, ça. Il est bien. Je suis bien dans ma cage. Bien dans sa cage. Sécurisé. Il est bien. Parc de voyage. Il est bien dans sa cage. Alors, pour raconter cette histoire en musique, on est déjà parti d'une envie, c'était de traduire la multitude et la diversité des oiseaux par la diversité des instruments de musique et des styles musicaux. Nous serons trois musiciens au plateau et nous jouons chacun d'une grande diversité d'instruments de musique. Alors, des instruments de facture classique, tels que le violon, la mandoline, le banjo, les saxophones ou les clarinettes, et puis des instruments moins académiques aussi, voire pas académiques du tout, comme la canne à plumes ou une rombe qu'on appelle la tourterelle, qui chante comme un oiseau. Et on va aussi jouer une grande diversité de styles musicaux. Il y aura une partie du spectacle qui sera chantée, où les histoires des oiseaux, on les a traduites en chansons. Je vis pour l'amour. Je vis pour l'amour. Je vis pour l'amour. Ma rose et moi ne faisons qu'un. Comment pourrais-je la quitter? Une autre partie du spectacle où on va voyager dans différentes couleurs, différents styles musicaux, par le jazz, les musiques traditionnelles, des musiques contemporaines, et on va vraiment utiliser toute une grande palette de couleurs sonores et musicales pour traduire les aventures que rencontrent les oiseaux dans leur voyage. Réveille.